Stelpen. Vous ne me connaissez pas, je suis une maman qui perd ses enfants qui a porté dans son ventre, à l'aide de ses propres seins qui aiment à la folie. Vous ne pouvez pas imaginer le chagrin qui peuvent éprouver une maman qui perd ses enfants. Je n'ai rien compris, madame. Qui êtes-vous? S'il vous plaît, parlez-moi de vos enfants. Je suis la terre. Je souffre énormément, garçon. Rivière, mer, l'air, arbre, forêt, en train de périr. Plusieurs espèces d'animaux ont disparu à cause de l'homme. Et à présent, mon adorable enfant, l'air est en train de mourir lui aussi. Ah, je comprends maintenant votre détresse, maman terre. Qu'est-ce qu'il a en profondeur? Le voilà, il arrive. Posez-lui la question, il vous dira l'origine de sa peine. Oh mon Dieu, vous paraissez très malade. Qu'avez-vous? Je voulais savoir ce que j'ai. Tout simplement, on me fait du mal. Je suis l'air. Sans moi, toutes les espèces qui existent périront. Je suis important, vital pour toute la planète. Sans moi, personne ne peut respirer. À présent, je souffre d'une terrible pollution, d'une pollution qui peut détruire ma mère à la terre. De quoi souffres-tu exactement? De quel genre de pollution vous parlez? De la pollution causée par les tuyaux d'échappement des véhicules, des usines et des bombes causées par la guerre, des déchets qui me font du mal, et la liste est encore longue. Monsieur l'air, j'ai beaucoup d'autres questions à vous poser, et je vois que vous êtes très fatigué. Vous plaît, vous êtes...